J'espère que vous allez bien. Alors, il est 8h du mat. Je suis déjà douchée, habillée. Je vous avoue que Pablo, comme moi, on n'a pas l'habitude de se lever aussi tôt. D'ailleurs, Pablo, j'ai carrément dû le tirer pour aller. À faire aujourd'hui. Donc le programme d'aujourd'hui, je vais voir pour mon sol. Ensuite, je vais préparer donc tout ce qui est tarif. Ce soir, on va voir pour l'enseigne. Donc il y a pas mal de choses qui vont déjà avancer aujourd'hui. Donc ça, c'est super bien. Montrer parce que ben tout ça est une surprise. On attend le peintre qui doit venir pour faire toute la façade, pour faire également mes murs donc dans l'institut. Une grosse partie que je ne sais pas avancer pour le moment parce que le peintre est en vacances, donc ça me bloque un petit peu. Je vous raconte pas mon stress pour tout ça parce que même si c'est pas un salon directement vu que ben je vais travailler avec Kevin, donc je lui prends une pièce dans son salon, c'est quand même du boulot parce que je veux que ça qui est très girly, qui est très original, donc j'ai beaucoup de matériel où je dois regarder un peu partout pour trouver vraiment ce que je veux. Je dois faire des trucs, je sais même pas encore où. J'ai une petite pièce, mais une petite pièce super sympa. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Comme je vous dis, là aujourd'hui, je vais voir pour mon sol parce que je refais tout le sol de la pièce. Mais en tout cas, c'est trop bien. Choses à avancer. Parce que comme je vous ai expliqué, tant que le peintre n'est pas là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas savoir faire. Vu que ben le peintre doit d'abord tout faire, par exemple, pour que je pose mon sol. Parce que si je pose mon sol et qu'après, il va faire des tâches sur le sol. Et pour vous avouer, mon plus gros stress, c'est que je suis très très nulle pour tout ce qui est papier, comptabilité. Je dois engager des filles, il y a plein de choses à faire que je n'ai jamais fait de ma vie. Plus de ça, ben moi j'ai pas ma gestion. Donc je connais rien à tout ça. Voilà, c'est très compliqué. J'ai ouvert ma société en étant donc associée avec ma meilleure amie, vu qu'elle a licence en comptabilité, gestion et tout ça. Donc c'est un grand pas pour moi, c'est une grande première pour moi tout ça. Mais bon, ça va aller, je suis très très bien. Et voilà quoi. Donc c'est assez cool, stressant, mais j'ai hâte parce que j'ai un meilleur entre mon opération, la convalescence, plus le fait que j'ai donc mes vacances qui sont prévues pour Ibiza depuis un petit temps, que d'ailleurs je vais... le truc aussi qui est un peu chiant, c'est que là maintenant il y a beaucoup de gens qui sont en congé, donc sont partis en vacances, style mon comptable, style le peintre, voilà, c'est de faire avancer les choses de mon institut. Mais bon, je fais tout ce que je sais faire en attendant, donc comme je vous ai dit, aller chercher le sol, faire mes tarifs. Je suis contente, je suis excitée. Je vous avoue que ça fait du bien de se lever à 8h, il fait beau. Bon, heureusement que c'est pas en hiver, parce que faire ça en hiver, quand tu te lèves à 8h, tu fais encore noir. Je pense que c'est un stress comme ça, ça fait longtemps que j'en ai plus, parce que j'ai tellement de choses à penser, tellement de choses à faire, que ce soit dans le professionnel, dans le privé. Il y a des choses aussi dans le privé que j'aimerais changer, parce que moi je suis quelqu'un, je pense plus vite et je pense plus loin que ce que je dois déjà faire sur le moment. Donc ça, c'est un petit problème chez moi. Mais il y a eu le Covid et puis après je trouvais plus le local. Ça a été vraiment une galère. Et là, bah, le fait de le faire dans le salon de Kevin, c'est trop bien parce que bah, déjà Kevin... Ah, je suis essoufflée. Et puis comme je vous ai dit, je veux que vous vous sentiez super bien à l'institut. Bon, regardez, je vous montre. Donc là, on a déjà une porte toute pailletée. Donc déjà ça, ça annonce la couleur. Donc là, on aura encore le deuxième espace coiffure de Kevin parce qu'il a son espace coiffure là-bas. Ici, c'est le deuxième espace coiffure. Donc là, ça va être ma pièce. Donc vous voyez, là, il n'y a rien. Tout est vide. Je vais changer tout le sol. Tout le sol, vous voyez. Le sol, il est vraiment... Je reprends la cuisine également. Donc je change tout le sol de la cuisine. Je pense d'ailleurs que je vais faire une fausse cabine ici, encore tout fermé pour faire d'autres soins. Donc voilà quoi. Tout ça est vraiment pas mal. Espace ongle ici, mais je ne sais pas ce que je voudrais faire. Mon espace d'attente là, donc avec un truc hyper stylé derrière sur le mur. Et là, bah, on change tout. Je vais mettre un faux mur là. Voilà, beaucoup de boules. Donc là, je vous montrerai tout l'espace coiffure. On est en train de tout changer, comme je vous dis. Les miroirs là, ils vont partir. Là, on va mettre tout un... Avec ma petite pièce là-bas. Salut Erika, ça va? Salut.